Salut à tous, c'est Rayak, bienvenue pour le 27e, je crois, épisode de Level Up consacré à Hearthstone. Aujourd'hui, le druide version 3. Enfin, 3, oui, j'ai peut-être pas vu les autres versions entre-temps, mais bon. Voilà. Donc, ben, comme d'habitude, petite description de ce que j'ai mis dedans. Donc, innervation, ben, qui permet d'accélérer, hein, ça peut être très intéressant de le jouer. Alors, une colère, j'en ai eu qu'une, mais c'est une des cartes, on va dire, qu'on retrouve dans tous les decks druides. Hein. Bah, elle permet soit de détruire une... enfin, elle permet dans tous les cas de pouvoir détruire une créature, mais dans un cas, elle nous permet quand même de piocher une carte. Donc, assez intéressant. Alors, une croissance sauvage. Je suis pas fan, moi, de cette carte-là, hein, parce que ben, elle peut arriver à des moments où ben, on n'en a plus besoin et bah. Voilà, enfin, soit elle arrive en début de partie, soit elle arrive au milieu, mais en fait on n'en a plus besoin parce qu'on a besoin de poser quelque chose et elle devient un peu une carte morte. Je trouve ça un peu dommage. Pardon. La masseur de butin, ben, toujours une bonne carte, hein, me permettra de piocher parce que je n'ai pas les anciens du savoir dans ce deck-là. Donc il faut absolument que j'arrive à trouver un autre moyen de pouvoir piocher. Là, une chouette qui ben, me permet de faire un silence hein, d'une créature ou enfin, d'un pouvoir qui peut être ennuyant sur une créature ou de passer une créature protection. Un limon qui permet de détruire une arme adverse. Les Rugissement qui, si j'ai un board assez conséquent, permettra de faire une grosse attaque bien forte. Chasse au gros gibier, bien sûr, qui permet d'éliminer une grosse bébête adverse. Deux golems des moissons, qui sont une bonne carte et qui repop avec une 2-1 derrière si elle meurt. Les bailéages, qui sont quasiment dans tous les decks, hein, qui permettent de gérer, on va dire, le board, surtout les boards aggro. Alors j'ai mis une graine de poison dans ce deck-là. Ben, si jamais il y a beaucoup, genre on tombe sur le deck démoniste, ce qu'on appelle le Endlock, qui joue les gros géants, ben, s'il en pose plusieurs d'un coup, ben, ça devient des 2-2. Même si on perd une partie du bord et les portes deviennent des 2-2 derrière, ben, on a quand même battu la grosse menace. Alors, deux défenseurs d'Argus qui permettent ben, donc de tonifier, enfin de mettre une provocation et plus un à des créatures adjacentes, donc peut-être très intéressant. J'hésite même à mettre les rampantes dans ce deck-là, ça pourrait être sympa à voir en améliorant. Un gardien du bosquet qui permet ben, soit d'infliger 2 points de dégâts, soit de mettre au silence, donc ça permet, il rentre en synergie, on va dire, avec la chouette bec de fer, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis plus. Et puis là, des gardiens de bosquet, j'en ai qu'un. Deux inventrices gnomes qui permettent de piocher assez vite. Deux crash vases qui sont, je crois, la meilleure provocation du jeu, quoique il y a la mecha, la 2-5 pour 4 qui ne peut pas être ciblée, qui est quand même pas mal aussi. Le Drake Azur, toujours, hein, permet de piocher et de booster les sorts. Les druides de la griffe qui sont très bien, qui peuvent soit devenir 4-4 charges ou des 4-6 provocations au raid. Un feu stellaire pour pouvoir ben, peut-être gérer une petite grosse créature et en plus ça permet de piocher une carte derrière. Et le chevalier noir pour pouvoir gérer un autre taunt. Allez, c'est parti. Alors, tu es où? Tu es là. Donc, ouais, comme je sais plus, je l'avais dit, mais j'ai renommé un petit peu tous les decks qu'on a pu. J'étais monté rang 14 et je me suis pris une chaîne lose hier et je suis redescendu. J'ai vraiment pas eu de bol. Des tirages pas terribles et une RNG qui était contre moi. Hein. L'aléatoire était toujours sur mes créatures. Donc je n'arrivais jamais à reprendre le board, ce qui était assez difficile, surtout pour faire juste une quête. C'était... Enfin bon, c'est les aléas des jeux de toute façon de cartes et avec du hasard de tri. Alors, bon là j'ai une trop grosse main pour le moment. Ah oui, j'ai vraiment une trop grosse main. Donc druide contre druide, je ne sais pas ce que ce deck va donner, je garde le balayage au cas où. Parce qu'il peut jouer peut-être un deck, un druide mecha ou un peu rapide. Oh là 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 là. Ma main est encore plus lourde. J'ai pas trop regardé. Enfin, si, la courbe de mana avait l'air d'être correcte, mais bon. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup de tour 4 dans le druide. Hein.
Mais bon. Et j'ai peu de petits mois, mis à part les amasseurs de butin, j'ai pas beaucoup de cartes à petits coups, mis à part des boosts. Bon, on va voir. De toute façon, j'ai la pièce. Donc déjà, de ce côté-là, ça va aider quand même pas mal. Petit bonjour pour le réveiller au cas où. Salutations. Je me demande. J'ai quel dos? Il a le même dos que moi. Ok. Allô? Allô, allô, allô? J'espère que j'ai pas planté. Pourtant, on n'attend personne. Ou alors c'est encore un de ces types de joueurs qui attend l'accord pour jouer. Alors des fois les parties sont super longues et c'est horrible. Ok. Bon bah moi je vais rien faire ce tour-ci. Il faisait autre chose peut-être. Ça y est, il s'est réveillé. Ok. Si j'avais la mienne, ce serait pas mal. Non, j'ai rien de jouable pour le moment. Alors. Que faire? Joue avec le décor en attendant, hein. Hop, voilà. Ok. Bon, moi, il veut pas que je joue le jeu, hein. Je sors que mes plus grosses cartes. J'ai rien à 4. Bon, à partir du prochain tour, c'est bon, je vais pouvoir jouer un peu. Ce sera quand même intéressant, mais... J'avais essayé des decks avec les ombres de Naxxramas, mais bon, je sais pas, j'avais pas. Je sais d'ailleurs si je sais même pas si je les ai pour le moment. Je crois que c'est pas Je me dans les demande. premières ailes. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je fasse la quatrième aile pour récupérer les cartes déjà des cartes intéressantes, parce qu'il y a le savant fou. Je crois qu'il y a l'arme du guerrier, donc qui me permettra de finaliser en Courage, partie frappe. mon guerrier OTK, donc il le passe en charge, ok. Alors, comment je vais pouvoir gérer ça? Je la sens pas cette partie. si j'utilise 2, il me restera 2 et je peux poser l'autre. Je vais lui silence. Comme ça, elle grossira plus. Parce que sinon, elle serait devenue 4-4 au début de son tour. Que faire? Mais s'il ne me gère pas mes créatures, je pourrais les rendre un tout petit peu plus fortes. Mais je pense qu'à mon avis, il va essayer de... Normalement, il devrait envoyer la 2-2 dans la 2-1, la 4-4 dans la 2-3, utiliser son pouvoir, taper dans le repop de la 2-1, et derrière, poser quelque chose à 4 qui lui reste. Logiquement, c'est ce que je ferai. C'est pas ce qu'il veut faire, donc il va direct tout au dégât. D'un autre côté, ça m'arrange. Alors... Je peux pour 4, Mon bouclier pour je lui élimine celle-là. Ah, j'ai plus la pièce malheureusement, et je vais lui mettre 3 de plus dans les dents. Ah, j'aurais eu la pièce,
Par rapport à tout à l'heure, j'aurais pu faire la colère à 1 en envoyant la 3-2 dans la 4-4, une colère à 1, et je lui tuais celle-là derrière, et je piochais une carte. Donc, on va voir ce qu'il va nous sortir maintenant. Je me demande. Là, de toute façon, dans tous les cas, il va taper, il va abîmer sa créature. Après un balayage sûrement sur celle-là. Ouais. Et il va aller taper avec son pouvoir sur celle-là. Ok, bah moi je vais aller piocher de la carte, hein. Alors là, il peut peut-être avoir la combo, donc ça veut dire et me tuer. Hein. C'est donc ça, c'est, je me souviens plus du nom. Ça crée 3 créatures 2-2. Le nom, j'arrive pas à le retenir là. Donc 3 2-2 charge, Tréant, et derrière, il peut faire un rugissement sauvage pour terminer. Ok, là, ce serait top si j'avais. Non, elle est pas là. Alors. Donc j'ai 4 et derrière il faudrait que j'arrive à jouer quelque chose. Et derrière j'ai rien à jouer, c'est ça qui est dommage. Alors. Je me demande. Peut-être à revoir un peu le deck parce que je l'ai pas trop manipulé. Ah là, je suis toujours en danger hein, parce que la combo fait 14 et là une créature de plus. Alors, au prochain tour, je pourrais me protéger. Ah bah voilà. Force de la nature, voilà. Plus rugissement sauvage. S'il l'a, bon voilà, c'est terminé, c'est perdu. Et en plus, il a été long pour jouer ça quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est une des combos hein, les plus utilisées, mais bon, c'est une carte épique que je n'ai malheureusement pas dans ce deck-là. Donc ça va être un peu dur. Je me demande, je vais aller faire une petite modif rapidos dans le deck. Qui est là. Pourtant, des tours 2. Ouais, j'en ai pas énormément. Des tours 3, quelques-uns. J'ai beaucoup de 4, ça c'est sûr. J'ai bien envie quand même de mettre, mais je sais pas quoi enlever en fait. Parce que l'inventrice gnome est quand même intéressante et j'ai pas beaucoup de pioches. Je vais peut-être en enlever une. Je vais enlever. J'ai rien à enlever en bas en fait. Ça qui est dommage. La croissance m'a pas aidé, hein. Je l'ai pioché, vous avez vu, et elle m'a servi à rien. Elle est bien quand là au début en fait, mais alors peut-être en mettre une deuxième pour être sûr de l'avoir, mais je sais pas, je sais pas. J'avoue que bah, je vais tester en mettant une deuxième. J'aurais peut-être pu, je pourrais peut-être mettre la pour baisser un peu le coût de. Le coup de. Enfin, ma courbe de mana qui est quand même pas. Enfin, ouais, elle est un peu quand même. Il y a peut-être un peu trop de 5. Peut-être que le crash vase. Bah, disons que j'ai pas les anciens, donc ça aide pas. Et les rampes enchantées pourraient être intéressantes. Bon, allez, on va faire une partie, un test comme ça. On verra. Tiens, d'ailleurs, je voulais voir si j'avais l'ombre de Naxxramas. Je crois pas que je l'ai. Alors je l'ai loupé. Non, je l'ai pas. Donc c'est plus tard en fait qu'elle apparaît. Mais je pense que je l'ai intégré à ce deck. Le Cobra Empereur qui pourrait être pas mal, peut-être. Ouais. Je ne l'ai pas. Donc allez, c'est reparti pour une autre petite partie. En espérant en gagner quand même une ce soir. Donc on va voir en mettant une deuxième croissance si ça. Tout le monde en met deux, la plupart des decks druides.
Je sais pas, je suis pas fan. Si vraiment ça marche pas ce coup-là, j'enlève les deux et je mets les rampantes à la place. On fera un test, hein, de toute façon. Ouf, chasseur. Donc il faut que mon deck soit rapide. Ça va être dur. Bon, déjà, golem des moissons, je vais en garder un, ça c'est sûr. Comme ça, j'aurai au moins un tour 3. Le problème, c'est que là, on tombe que sur des decks avec du GVG, spé mecha. Et comme il y a énormément de cartes mecha qui sont, je dirais, OP, comme il y en a qui disez, c'est difficile quand on a des decks qui ne les intègrent pas. Je prends l'exemple, rien que l'explomage. Pour 4, une 5-4 qui fait des dégâts aléatoires à l'adversaire s'il y a un mecha sur le jeu. En général, il en reste toujours puisque on arrive à en poser beaucoup. Et en plus, il faut se gérer derrière une 5-4. À la rigueur, elle serait 2-2 ou 2-3 ou 1-3. Oui, mais là, c'est une 5-4. En plus, derrière, il faut gérer une force qui fait mal, quoi. Donc, c'est. Alors, oui, c'est bizarre là, ce qu'il joue. Tiens. Donc, voilà. C'est des exemples de cartes qui, je pense, qui mériteraient un petit nerf quand même. Parce qu'elles ont vraiment un potentiel trop fort. Alors, bon, elle, faut que j'arrive à la tuer au prochain tour, hein, enfin, de toute manière, pour pas qu'il y ait qui puisse utiliser le maître chien. Ouais, c'est ça, le maître chien pour lui donner plus 2, plus 2. Donc là, il va jouer une. Ah, bah, je vais peut-être pas y arriver. Ok. Alors, comment gérer ça? Donc au prochain tour, j'ai le crash vase de toute manière. Et l'Argus est peut-être pas intéressant tout de suite. Donc je vais aller piocher une carte. En espérant, là j'ai pas de dégâts directs, c'est un peu dommage. J'aimerais bien avoir mes balayages. Donc au prochain tour, j'ai le choix, soit jouer le Crash Vase, soit jouer au Reb. Ou si j'ai pas une croissance, mais une innervation, au pire, je pourrais jouer le Chevalier Noir pour l'utiliser à la 4-4. Étant donné qu'il est chasseur, je pense qu'il va aller direct me taper dessus. Il va taper, taper, il va pas chercher à s'occuper de mes créatures. Sur votre tête. Venez-vous battre, vermine! Ah si. Oh, c'est rare. Là, il a dû faire une erreur parce qu'il aurait dû taper d'abord celle-là avec celle-là. Enfin bon. Mais là, vous voyez déjà, il a un board assez conséquent qui va être super difficile à gérer. Là, c'est pas intéressant. Ça m'en gérerait deux, mais je me retrouverais avec plus de puissance, quoique. Ouais, je me retrouverais avec les mêmes dégâts. Parce que ça ferait 2, 4, 6, 8, 10. Et là, pour le moment, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je gagnerais 1. Pas super. On va poser le Crash Vase pour maintenir un tour, mais je pense que ça va être super difficile. Il a pu poser, on va dire, une bonne partie de son pouvoir, enfin de ses créatures sur le board. Ça va être super difficile à gérer. Ouais, tant mieux, prends-toi des dégâts. Ok. Donc il va sûrement envoyer la 1-2. Là, le balayage, ce serait royal. Là, je vous le dis tout de suite, hein, avoir un balayage serait royal. Mais ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Ça ne sert à rien. Bon, on va lui tuer quand même ça. Celle-là, et on va tuer celle-là. Mais bon, je suis à 14 points de vie, je suis vraiment pas bien. Donc il va aller tout dans ma face, je pense.
Ok. Oh le balayage. Allez, je tente un truc. Parce que si jamais c'est le. Comment s'appelle le. Non, c'est pas celui-là. Donc. J'ai pas attaqué tout de suite. Je vais me laisser le temps de me reposer un peu de la créature, du board. Ça va être super dur. Bon, à mon avis, ça va être un piège explosif. Donc, il me faut une créature qui soit provocation. Faut que j'arrive à me remonter. Ah, bah, de toute façon, il me tue avec son pouvoir héroïque, donc c'est fini. J'avais pas vu. Oh là là, la fatigue. Bon, je suis encore tombé sur un deck super rapide où j'ai rien pu faire. Donc, comme vous avez vu, les croissances, hein, je les ai pas eues. Je vais les enlever, je vais mettre des rampantes à la place. Parce que si j'arrive à avoir des rampantes et que je peux les tonifier derrière, ça devrait aller mieux. Donc, j'enlève les deux croissances sauvages et je vais mettre deux rampantes. Que je vais peut-être sûrement pas avoir de la partie, hein, ça. Alors, elles sont où? Là. Je pourrais mettre des onérubiens aussi, si j'arrive à les tonifier, ça peut être intéressant, mais je vais mettre plutôt un peu plus de créatures et plus basse. D'un autre côté, ça montre aussi un peu comment on fait de la construction de deck petit à petit. Bon, là, j'aimerais bien quand même faire au moins une victoire. Ce serait pas terrible une vidéo avec trois défaites, mais bon, j'assumerai les trois défaites. Parce que là, je suis déjà à 22 minutes de vidéo. À peu près. Donc je pense pas que je ferai une quatrième partie. On va voir. Ah, bah un druide. Tous les match-ups les pires pour moi. Bon, déjà, c'est pas mal. J'ai ma rampe intentée, première main. C'est déjà intéressant. Je vais garder le défenseur d'Argus, mais je vais enlever les deux autres pour essayer d'avoir quelque chose de plus bas, si possible. Ok. Bon, deux défenseurs d'Argus, c'est peut-être pas terrible pour démarrer. Mais déjà, tour 1, j'ai déjà, je vais avoir de la présence. J'aime bien, eux l'ont toujours en première main. Moi, j'ai jamais eu. Hein. Vous avez vu les des parties d'avant? Option. Oh là là. Je me demande des fois, sérieusement quoi, le jeu m'en veut en fait. Il doit m'en vouloir. Tiens, pour la peine. Ok. Alors. Ouais, me sert strictement à rien. J'ai rien d'autre à jouer, c'est déjà pas mal. Mais il a toutes les bonnes cartes. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Oh, un Docteur Boom. Qu'est-ce que je vais faire contre ça, moi? Ah si, c'est bon, mais. J'ai déjà lui éliminé une bombe. Ce serait bien qu'elle me tombe sur le. Non, elle veut pas. Et on va faire. Mais bon, aïe quoi! Un Docteur Boom tour 4! Génial! Ça, c'est une horreur, c'est une horreur. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai mon Crash Vase qui sort, c'est déjà pas mal. Ou alors je dors plutôt mon druide de la griffe. Ou alors je pourrais lui éliminer déjà son Crash Vase, mais derrière je reprends encore 6, quoi. Ou alors je tentifie, mais je fais rien d'autre. J'ai posé mon propre Crash Vase et il va être obligé de lancer de la bébête dedans. Bon, après, il manquerait plus qu'il ait un balayage lui aussi, hein, ça va me calmer un peu. Hein.
Ok. Dans la série, j'ai pas de bol, je tombe sur des decks de psychopathes. Ok, bon. Alors on va faire un petit silence là. Je n'ai pas assez. Ah, j'ai passé. Mon bouclier pour Argus. Ah, j'aurais peut-être dû tenir. Non, je pourrais... sinon je peux pas tuer celle-là. Et je vais éliminer celle-là. Mais je suis pas bien, hein, du tout, hein. Là, il m'a sorti une... Bon, en plus, avec sa légendaire Dr. Boom, c'est une carte, pareil, qui est complètement complètement dingue. Donc là, je vais me prendre 7 encore. Donc, pour 4... Mais bon, après, manquerait plus qu'il me sorte un Ragnaros ou un Malorm, et puis là, ce serait la totale. Je suis tombé contre des decks qui allaient plus vite que moi ou qui faisaient vachement plus mal. Ah bah, ouais, il a la combo, donc c'est fini. Voilà, il avait la combo, en plus, c'est terminé, donc c'est pas la peine. Allez, laisse-moi quitter comme ça, à plus vite. Donc, là, franchement, je ne pouvais mais strictement rien faire. Bon allez, on va essayer d'en faire une petite dernière. Le pire, c'est que j'ai des quêtes à faire avec le druide. Je pense que je vais prendre le deck d'à côté. ça ira mieux. Parce que là... Dans la série, je me fais démonter. On ne trouve pas mieux. Et puis bon, vous avez dit, hein, vous avez vu. Les croissances, ça fait deux druides quand même. Deux fois qu'ils me la sortent pendant leur tour. Bien sûr, ils ont réussi à avoir le board. Et il m'a sorti des trucs de malade. Je pouvais rien faire, quoi. Là, heureusement que j'avais la graine de poison qui a limité, mais sinon j'aurais pas la graine de poison dans le deck, j'aurais été mais mort deux ou trois tours avant. Hein. Oh là là, encore un druide. Je pourrais pas avoir autre chose. La nature se dressera. Oh bien, une version, je l'avais pas vue encore. Non, je voudrais du plus petit. Je voudrais qu'elle me serve vraiment en cas de. Ok, d'accord. J'adore. J'ai quand même baissé la courbe de mana du jeu, mais non, hein, il veut pas. Hein. Il veut vraiment pas du tout, quoi. Ah, déjà. On va le sortir quand même. C'est une 2-3 à gérer, donc soit il faut qu'il utilise. Une colère, puis derrière, après, il faudra qu'il tape dedans. Ah, il va poser un peu plus gros. Je dois protéger nos... Non, il me laisse silence, c'est ça. Ok, bon, ça, c'est pas grave, ça fait un silence de moins sur le jeu. Je peux pas lui gérer pour le moment, donc je tape. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Ok, je peux pas la jouer, je peux rien jouer ce tour-ci, donc ben. Je le sens pas du tout, moi, ce deck druide là. Pourtant, il avait bien marché, mais là, il veut pas aujourd'hui. Hein. Et je me tape que des adversaires qui ont des decks de psychopathes. Ah, là, à mon avis, il a pas un +2/+2 et. Il fait autre chose. Non, il se le renvoie en main. Ok, pas de problème. Ça, c'est moins grave. C'est pas un deck ordinaire qu'il a. Alors, je vais pas poser le Crash Vase parce que je sais qu'il a toujours l'autre. Alors là, il peut taper avec sa bestiole.
poser le. Non, il aura pas. Il aura peut-être pas assez de mana parce qu'il il peut pas. Il pourra pas utiliser le change-forme. Donc, mais s'il avait un mana de plus, il pourrait taper avec sa créature, faire 2 points de dommage avec l'autre, faire son pouvoir et taper dedans. Ah, les grands esclaves. Ok, bien, j'aime, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je peux jouer pour 5? J'aurais bien lui booster pour taper, mais il aura toujours son truc à 2 qui va tomber, qui va me le gérer. Je peux jouer lui, et je vais éliminer lui. Pas qu'il remonte, parce que je pense que ça doit être un deck des fosses. Il doit faire piocher comme un fou au vu de sa carte et comment il la joue. Ok, 4 points, donc il me tue à côté, ça je m'en doutais. Il lui reste 2, il va venir taper dedans. Alors, bon, déjà la colère, c'est pas mal. Moi, je vais jouer ça et ça. Et comme ça, il pourra pas la tuer tout de suite avec son... Alors, il va peut-être me silence celle-là. Voilà. Ou faire 2 points. Non, il fait 2 points, donc il me laisse piocher, tant mieux. Et derrière, ok, c'est un deck qui fait piocher. C'est un deck qui fait piocher. Alors, si je pose le Drake, je suis à 4, donc je peux la tuer. Et je peux lui tuer sa bébête, mais je les mets à 1 toutes les deux, donc elle pourrait se prendre un balayage. Mais, et il pourrait en tuer le Drake Azur derrière. Alors, je vais poser le Drake Azur. Je vais faire la colère à 4. J'ai failli me tromper. Ou alors je tape une fois dans lui, je fais une colère à 2, je pioche 2 cartes. Non, c'est un deck qui fait piocher, donc faut pas que j'ai trop de cartes en main non plus. Dans la brèche. Après, j'ai pas de super méga cartes dans ce deck là non plus. Donc, alors là, ce serait pas de bol qu'il ait le deuxième balayage. Ok, là l'acclimatation, donc c'est bien ça, c'est bien le deck qui fait piocher. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour le moment, j'ai pas de soucis. Et il me fait piocher, donc il vient de faire perdre une carte, mais. C'est pas grave, il m'a pas fait perdre une grosse carte, donc c'est pas un souci. Et il l'a fait revenir dans sa main. C'est comme d'habitude. Donc bah, moi je vais poser de la carte. Hein. J'ai de quoi. Je perds mon balayage, ça c'est pas cool, mais bon. Comme il veut, il va me faire piocher ce tour-ci. On va poser pas mal de cartes. Mon bouclier pour Argus dans la brèche. Jusqu'au moment où je pourrais, s'il me laisse assez de créatures sur le board. Non, non, non. Oh, putain. Sérieux, il me taxe la bonne, quoi. Après, j'ai double resistance sauvage. Bon, je ferai peut-être pas assez de dommages. Parce que 5, 6, 7, 8. Oui, vas-y. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, les grands espaces. Ma main est déjà pleine. Et il a du bol. 2 fois, il me fait tomber mes balayages quand même. Hein. Je dois protéger l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Poser au Reb. Parce que là, je peux lui gérer le board sans trop de soucis. Si je fais un rugissement, ça fait 3, 4, 5, 6. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je le mets à 1.
C'est ça? 3 et 5, 6, 7, 7 plus 8. Ce serait 15, 17. Ouais, je vais faire ça. Ah, j'aurais peut-être dû. Ouais. Là, j'aurais pu lui mettre un point de plus. Ah, je le tuais! Oh non, mon dieu! Oh, le miss létal! Oh, mon dieu! J'ai mal compté. Bon, non, non, normalement, il devrait abandonner parce qu'il peut pas me faire 28 points d'un coup. Mais il pourra pas me gérer le board. Oh, mon dieu, le miss létal de malade! Ah, n'importe quoi! Mon dieu! Oh là là, bon. Non, il est obligé de gérer, hein, de toute façon. Donc, mon Dieu, mais j'y crois pas. J'ai loupé le létal. Bon, je peux le reprendre, hein, je pense, hein. Ça ferait 5, ça ferait 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il faut que... Ouais, c'est bon. Où dois-je frapper? Je vais pas le louper deux fois celui-là. Mon Dieu, sérieux quoi! Oh là 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 là! Bon, j'en ai quand même gagné une! Enfin voilà, donc vous voyez, même quand on joue, je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'après le petit 1 de plus quoi. Bon, ouf, voilà. bien. Ben, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne. Petit pouce up ou petit pouce down. Vous pouvez mettre plein de pouces down là pour celle-là. Hein. Je vous en voudrais pas parce que vu le miss létal de la fin. Et puis ben laissez des commentaires hein, de toute manière. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo d'ici quelques jours. Allez, à la prochaine.